Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis Congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road fret, le routier. Quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous le savez, vous l'avez certainement appris comme tout le monde. Au début, il insista, il refusa, il discuta, il voyagea. On l'interpella, il refusa. Il rentra, il tomba. Il résista, enfin il céda. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Premier ministre est conjugué au passé. Son histoire est tout simplement finie. Il a appris la leçon, mais en retard. La leçon que l'on apprend, que moi j'apprends dans cette vie, c'est que la témérité a une fin. Et il faut qu'il y ait une logique entre la témérité et vos capacités de résistance. Ça ne sert à rien d'entretenir un front que vous n'allez pas gagner. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui s'est bien passé dans la tête du Premier ministre? Je suis en train de me poser cette question, mais alors, tous les jours. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa tête? À quoi pensait-il? Est-ce qu'il avait vraiment fait toutes les analyses? Est-ce qu'il avait vraiment fait toutes les recherches? Nani a prometta qui est Makambo Makasiboy? Nani a prometta qui est Biloko ya modèle Wana? Parce qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé devant le silence. Mesdames et messieurs, Bato Kabi, les gars, parce qu'il y a Mitu Makasi, et Baboy, il n'a pas comprendre vie, ni vie, et Zokende. Baboy, il y a un signe à temps. Ils ont refusé de lire les signes de temps. Si Kabila a fait longtemps au pouvoir, parce qu'on pensait qu'il était bête. Or, Bango Bogoye commettre la même erreur. Le mobutisme était basé sur une surestimation de soi. Le mobutisme, quand il regardait tout ce qu'il avait construit, il pensait qu'il était invincible. Or, la fatalité, c'est pendant, au cours d'une vie, se croire invincible. Tous ceux qui se sont crus invincibles, ça l'a toujours humilié. L'invincibilité est une apparence, c'est une fiction. Et lorsque vous commencez à être porté par le sentiment d'invincibilité, que du triomphe, la chute n'est plus loin. Yango tomoni awa. Ndeko namokili lolendo e futakate, orgueil e futakate, arrogance e futakate.
bateau yo ba gagnant na vie, bateau ba bima na vie, et bateau ba yeba qui ko s'adapter dans ma situation. Vous savez, les animaux le plus fort, le plus grand, le plus imposant, non, ce ne sont pas ceux qui ont vécu ou ceux qui ont survécu après le changement de climat et mon kili. Tel le dinosaure. Le dinosaure, c'est l'animal le plus puissant. Mais un moindre changement, parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. En politique, c'est comme ça aussi. La politique a des périodes, la politique a des temps et des circonstances. Arrive un moment donné, ça ne marche pas. Vous devez replier. Si vous voulez, c'est-à-dire, opérer la stratégie à repli. Vous vous repliez d'abord. Vous rentrez au-dedans de vous. Même la Bible dit, cache-toi. À un moment donné dans la vie, il faut savoir se cacher. Attendre que les épreuves passent. Attendre que les moments deviennent de plus en plus calmes. Vous ne pouvez pas vous battre contre les gens que vous ne connaissez pas, contre les gens que vous ne voyez pas. La Kabylie a perdu faute de stratégie. La Kabylie n'a pas su négocier le changement de paradigme. Ils n'ont pas su composer ces changements-là. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris Tshisekedi comme pour une bête. Lorsque vous prenez quelqu'un comme pour une bête, vous ne lui accordez plus le temps. Il y a moins attention. Or, c'est la chose la plus dangereuse. Mandela, dans son livre « Conversation avec moi-même », il dit « Vaut mieux pas quitter son ennemi d'un seul œil. » Parce que ce qu'il peut faire dans une portion de seconde, aux années images dans mon thé. Or, Bango, Bazaki n'a arrogance moins belle. Batiki Fachi a évolué, Nengro a évolué. Babi, non, c'est un monsieur qui n'a pas de diplôme. Donc, ça a vite fait. Il est là pour chauffer le siège. Il est là, on va le faire vite fait. Alors, Kokate, dégrade politique, tout ça, Nengro, alors, Kokate. Le FCC est allé dans ce sens-là. Un autre élément important, le FCC a eu des gens, oh, bah, tanga qui va commander à Mingi, mais va contenir dans ma capacité. Si on a le combat juridique qui est commis entre les mains des géologues, tout ça, c'est la géologie dans le Japon. Géologie dans le Japon. Et il vient, il commence à débattre des questions juridiques sans aucune nuance. Moutou un modèle, on comprend tout de suite que si dans votre. Et ça, on a quatre équipes en football, votre équipe est supporter, c'est ma bête à balle. On est battu là-bas, attaquant. Mais c'est le scandale, c'est la catastrophe. Professeur Bouchab, professeur, professeur Louman, tout le monde a dit que c'est la charge de la Constitution. Pourtant, le professeur Bouchab, mesdames et messieurs, est un expert dans ma fonction publique. Spécialité naïe, à sa fonction publique, c'est sa spécialité. C'est pourquoi dans les grands débats des constitutionnalistes, le professeur Bouchab a toujours dans mon erreur à Mickey. Parce qu'il n'est pas constitutionnaliste. Le professeur Bouchab est un expert en fonction publique, à travailler Wana. Voyez-vous? Et les autres, c'est la même chose. François, c'est des gens qui ne sont pas des juristes, qui ont fait le droit, pardon, qui ont fait la médecine, qui ont fait l'économie, donc les véritables juristes, il y a FCC, qui ont souffert d'un problème, même à ta prof Bouchab. Si tu as dit que tu as une union pour redresser la fonction publique, ou à Tangelaki, tu aurais dû évoluer. Professeur Némi Mulania, un professeur pour qui j'ai beaucoup de respect, ce n'est pas un constitutionnaliste. Asali va marché public. Asali marché public. Donc, ce qui a dit que tu as une union pour marché public, mais l'université, M. Botamate, n'a pas de province. Mais les barbaristes, M. Botamate. Parce que, tout simplement, Alinga qui a réussi, côté la Bilonae, hein, tu vois un peu d'un côté, hein, mais malheureusement, ça n'a pas été, et il n'a pas été. D'un côté, les juristes ne sont pas écoutés, d'un autre côté, les véritables questions de droit, on laisse entre les mains des non-juristes, des non-initiés, c'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes qui n'ont aucune conception et à droit. Madame, tout ça, ce sont des femmes qui viennent parler de la Constitution, mais sans retenue. Oui, mais ce n'est pas possible, c'est tout à fait normal que vous échouez. Parce que ceux qui viennent tout, ils sont nombreux, hein, et ils veulent parler de la Constitution. Vous n'avez fait aucune étude de droit. Pire encore, vous n'avez pas fait le Sciences Po.
C'est-à-dire, tu ne connais pas les sciences, les sciences politiques, au bien voté. Tu ne connais pas le droit, mais tu t'hasardes quand même à émettre un point de vue, non pas sur un droit des chèvres, non pas sur un droit de discussion, mais sur le droit politique d'un pays. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux, ou tu veux qu'on prenne votre structure au sérieux. Et on est comme ça la erreur, il y a modèle, voilà. Les Chadari et les autres, c'est des hommes qui n'ont pas fréquenté l'université de droit. La faculté de droit, bah, mon ingoté. Ils ne sont pas allés là-bas. Ils sont allés dans autre chose. Chadari, je peux encore comprendre. Mais quand on parle du droit constitutionnel, il doit se taire. Il doit se référer à d'autres personnes qui ont fait le droit constitutionnel. Il y en a beaucoup, hein, Nakati Nabango. Je ne parle pas des consultants. Vous voyez quoi, de temps en temps, des consultants. L'erreur stratégique au FCC à Salaki, c'était de sous-estimer la force de Félix Tshisekedi. C'était ça. Et pendant qu'ils étaient en train de les minimiser, l'autre était en train de travailler sévèrement. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de majorité parlementaire. Pendant tout ce temps, on sous-estimait, c'est l'autre. Non, il ne va rien faire. Non, il ne s'en sortira pas. Et aujourd'hui, il devient là où il est. Pratiquement, la situation devient presque irréversible. Moi, Bou Bandé, là, vous a sauté. Le train est bandé. Aujourd'hui, lui-même, Joseph Kabila, mis à côté, il ne peut plus postuler. Batouna Ignoso, Mabunda Libanda, Tunda Libanda, Sylvestre Ilunga Libanda, le papa au Arsenal. Azokoya Kalamingite. Donc, vous comprenez que Arsenal Mobimba est coué en moins de 2 ans. Simplement parce que vous sous-estimez Kimoto, vous sous-estimez Kamoto T. Qu'en est-il maintenant du Premier ministre Ilunga? Le Premier ministre Ilukamba, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Naibite Nini, comme il est professeur. Toibisaki prof. Ah ouais, depuis quand? Mon ibiso m'a bien abusé à que notre plus grand défaut, c'est que les gens pensent que nous avons des positions, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais les gens pensent que nos positions sont basées sur une certaine colère ou une certaine méchanceté. Non. Moi, j'ai une colère sainte. Contre le mal, pas contre les hommes, contre le mal. Ngali Kabila, Batuna Yona, Badar, Nana, problème Nabango, Atamukete. Donc vous perdez beaucoup de temps si vous pensez que moi je suis contre les hommes. Moi je suis contre les systèmes et les mentalités qui ont animé ces hommes-là. Donc si ces hommes-là décident un moment de la vie d'arrêter ce qu'ils font et changer de comportement, ils me trouveront là où je suis et on fera route ensemble. Le problème c'est que Bango va boyko changer Ango. Nous avons dit au Premier ministre, plus d'une fois, regardez qui permet bientôt à soutenir qui Premier ministre, rappelez-vous. J'ai soutenu le Premier ministre. Pourquoi la soutenir qui est? Par son crédit d'innocence. Je me suis dit, comme je ne le connais pas encore, ça ne vaut pas la peine qu'il nous attaque activement. Toti Kaye, Asalana, nous devons juger Moussa Nanaye au fil des temps. Souvenez-vous, tant que vous gouvernez Bandaki, ton petit Nanaki contrat à 6 mois. Tout à l'heure, 6 mois, tout à l'heure, au Kenya. Tout le monde a permis d'attendre tout le monde de Covid et Bandi. Mais c'était déjà des signes. C'est-à-dire que bah, oh, bah, ça allait augmenter. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Donc, on dit que tant que tu es à niveau, tu es comme un premier ministre. Premier ministre, Lucas Moyen a démissionné avant que Sonia ait l'aïe. À Boui. Il a fait d'abord une lettre. Et on nous apprend que la lettre, ce n'était pas lui. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de lettre. Donc, notre ancien premier ministre, à dire qu'on dirait quelqu'un de prisonnier, bloqué dans un coin, à quoi bouger. À ça, la volonté n'a pas. Il y a une arme n'a pas. Malheureusement, une arme qui n'a pas été solide. Si qu'on a bisou n'a bino, bateau, on a dit que crise est causale. Où en sommes-nous? Voilà pourquoi moi je demande au président de la République, Félix Tshisekedi, et tout son état-major, ne baissez pas les bras, ne tombez pas dans l'ivresse, le coup la bango. Ceux qui les mêmes, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux qui bino peuvent tomber, la suffisance, voilà. En disant, bon, c'est bon, on a déjà tout gagné, maintenant on peut faire la fête, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que bon, on peut avoir dit, bah, ça va gagner, va beau côté. Et aussi, ils sont en train de travailler. Alors, ne leur donnez pas ce qu'ils vous ont donné. Bango, bah, pèse kibino, capacité à travailler. Parce que, bah, il y a kibino. Bino, bah, pèse à capacité à travailler. Ça veut dire rester vigilant. Rester focalisé sur le travail, c'est vrai. Mais laisser une équipe stratégique qui est dans la cacora pour analyser. Comment finalement anéantir complètement et politiquement, surtout politiquement, le FCC? Parce que cette entité, elle reste toujours dangereuse. Quoique
à neutraliser en partie aujourd'hui. Il faudrait se réveiller pour dire, ne tombons pas dans, hein, dans l'euphorie pour célébrer la victoire, dire qu'on a gagné. Non, 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 la bataille, c'est vrai, on a gagné la bataille, mais pas encore là, pas la guerre. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les ennemis qui ne sont plus là. Ils peuvent être sur les arbres ou ils peuvent être en bas, sous le sol, sans que vous ne puissiez au... Donc, il est important que nous puissions garder en tête que ces gens sont encore là. Quelqu'un disait, tant que mon ennemi vit, il est toujours dangereux. Tant qu'il vit, il est toujours dangereux. La seule façon pour vous d'être sûr que votre ennemi ne peut pas vous revenir, ne peut pas se retourner contre vous, c'est l'abattre, c'est de le tuer. Moi, je ne parle pas de tuer quelqu'un au sens de le tuer, Bobby Moutouté. Je parle de tuer quelqu'un au sens de le neutraliser complètement. Et même alors, si la politique, on veut aller plus loin, je crois même qu'il faut aller jusqu'au point de dissoudre certains partis. Comme ça, ça vous permet de respirer un peu. Dissoudre certains partis. Arrêtez ceux qui sont dans des choses. Parce que ne vous arrêtez pas qu'à leur neutralisation politique. Il faut aller jusqu'au point de la neutralisation financière. Neutralisation diplomatique. Bah, toi, on va faire toujours le lobbying. Ils ont des carrés miniers. Bah, là, on a eu pendant longtemps. Pourquoi on a eu la liberté, on a eu le surtout ceux qui sont concernés dans le crime. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les choses soient mises en place pour que la véritable justice se fasse. De façon que Bato va y bambongo à l'État. Bato va torturer Bato. Bato va participer d'une manière ou d'une autre à l'affaissement de cannabis, que ces gens-là soient arrêtés et mis hors d'état de nuire. On va dire Bato, vous avez eu kangi bango. Vous placez bango quelque part. Vous foutez bango ba yiba kawana. C'est-à-dire vous dépouillez bango na bilongo bango ba yiba. Ne vous en faites pas, je peux vous assurer que Bato va vous anéantir suffisamment. Parce que leur force politique a diminué, mais pas leur force, pas leur force financière. Leur force financière, ils ont continué toujours comme ça. Ils ont quelques moyens. Ils ont dirigé la Banque centrale pendant très longtemps, ne l'oubliez pas. Bato a des artisans, il y a terrorisme. Na blanchiment des capitaux. Bangonde. Bangonde, c'est le blanchiment des capitaux. Bango. Ils ont des hôtels et des grandes maisons dans la ville où on a pas de vendre à rater. Bako, ça a toujours qui va te bailler quand on a foutu un bon ébélé, mais tous nous savons qu'ils ont un bon côté. Ça dit, il va créer un cartel, alors, bah, ton modèle, il ne faut pas les laisser tranquilles. Bah, toi, il faut traquer Bango jusqu'au bout parce que ce sont des terroristes économiques. Il faut les mettre dans l'état, dans Bango, il y a arrestation. Comme ça, là, vous êtes tranquille. Ne commettez pas l'erreur de dire on a gagné. Vous n'avez pas encore gagné. Vous êtes peut-être en train de mener, mais vous n'avez pas encore gagné. Donc, restons vigilants. Vigilants. Ne faites pas des fêtes. Ne sous-estimez pas. J'entends les gens dire, certaines personnes, ah, si il peut avoir la Camille, là, c'est fini, c'est fini. Non, 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 ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Souvenez-vous que c'est quand on croyait que Tshisekedi était fini qu'il revenait de plus belle. Ne vous surestimez pas. En politique, on ne se surestime pas. Et en politique, on ne néglige pas un adversaire, petit qu'il soit. Si Mobutu avait étouffé Kabila le père depuis le début, il ne serait pas venu en 1996. Kabila, Mobutu avait pris Kabila comme un plaisantin. Mobutu avait commis l'erreur stratégique de considérer que Kabila était un petit plaisantin et qu'il n'allait jamais revenir. Mais l'histoire nous apprend. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, le gars est revenu. Donc, à un moment donné de la vie, ne sous-estimez personne en politique. Que ce soit en politique, que ce soit dans la vie, ne sous-estimez pas. Parce que le jour que nous voyons sont capables d'engendrer des monstres. Et le jour que nous voyons sont capables d'engendrer les anges. Donc, ne sous-estimez personne. Aujourd'hui, quelqu'un peut présenter toutes les faiblesses du monde. Mais vous ne savez pas ce qui se passe demain. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la mutation du soleil à la lune. Vous ne savez pas cette transition. Quelles sont les informations que la lune et le soleil se passent pour les gens? Et à un moment donné, quelqu'un se réveille, vous le trouvez invincible. Faites très attention. Ça veut dire qu'il faut négocier chaque chose. Alors, pour le Premier ministre, son histoire et son sort est scellé. Je vais vous lire un communiqué. Où est-ce que ça? La fin, il y a Premier ministre. Allô, Biboué. En date du 27 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon gouvernement. A changé déjà phrase. Tobisaki, Premier ministre, okay? Et ça, bureau d'AGT.
Tobisa qui est que les bureau définitif était. Tobisa qui est que les alliés assemblée nationale Moutou et Benga qui est la motion de censure, de défiance. Ce ne sont pas des motions rédigées par le bureau, que ce soit définitif ou provisoire. Ce sont des initiatives qu'on appelle des initiatives parlementaires et non des initiatives de bureau. Ce sont des initiatives parlementaires, ça veut dire des élus. Ici, le Premier ministre, dans le premier paragraphe, a compris la leçon. Quoi qu'en retard, mais il a quand même compris. Comme pour dire, il n'a pas de juriste autour de lui. Tous les juristes autour de l'ancien Premier ministre, c'était des farceurs. Des farceurs ou des hommes sans aucune personnalité. Pourquoi je dis farceurs? Farceurs parce qu'ils l'ont induit en erreur. Pourquoi je dis des hommes sans personnalité? Parce qu'ils auraient peut-être pu donner des conseils, mais personne ne les a écoutés et ils sont restés. Moi, si je suis conseiller, je te donne mon conseil aujourd'hui, tu ne le prends pas. Je peux supporter. Je te donne demain, tu ne le prends pas. Je peux encore supporter. Mais si je te donne un troisième conseil, et que tu ne le prends pas, et qu'après, il y a des répercussions. À travers le Rwanda Sengiwana, rassurez-vous d'une seule chose, je prendrai mes dispositions. Et la seule chose que je pourrais faire en ce moment-là, c'est simplement de démissionner. Ça, c'est des 1. De 2, voici ce qu'il dit. Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du bureau d'âge, en tant que républicain respectueux de la Constitution et des institutions de la République, je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 331 députés nationaux. Monsieur le Premier ministre, ici vous acceptez, mais difficilement. On le sent que vous acceptez, mais difficilement. Il ne suffit pas de parler de 301 députés. Le nombre, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le quorum. Ce n'est pas le nombre. Ce qui compte ici, c'est le quorum. Si le quorum est atteint, si le quorum est fixé à 2, 2, c'est bon. Si le quorum est fixé à 200, 200, ça va. Si le quorum est fixé à 300, 300, ça va. Donc, vous n'allez pas vous appuyer pour dire, bon, c'est parce qu'il y a eu 301 députés. Non, la bonne formulation ici, dans ce paragraphe, c'est de dire que je me dois reconnaître, au moins vous reconnaissez maintenant. Reconnaître, ça veut dire j'ai ignoré avant, maintenant je reconnais. Reconnaître, ça veut dire je suis passé de l'étape de l'ignorance à l'étape de la connaissance. Dites alors merci à nous qui vous avons inspiré. Parce que moi, je vous ai beaucoup aidé, le Premier ministre. Je vous ai beaucoup aidé, je vous ai donné des bonnes idées. Sauf celle qui est en haut avant. En gros, elle est un grand Premier ministre. Malheureusement, t'as la seconde moukoum. Ou reconnaître que c'est l'Assemblée. Quand on le disait, bon, il lui sautait. Étant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale et ont été élus lors des élections générales 2018, ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier la motion de censure dirigée contre mon gouvernement, j'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution. En d'autres termes, il attend que M. Mbosso, le bureau d'âge, a notifié. Parce que l'Assemblée nationale est représentée par le bureau. Et le bureau prend des actes au nom et pour le compte des députés. Si on a eu un document, une décision, on rédige en gros le premier. Je crois qu'il a déjà été saisi. Et donc, du moment où il va être saisi, il va donc démissionner. Alors, imaginons un peu, alors que l'on dit que la présidente de la République démissionne, mais le chef de l'État va rappeler Ayilukamba, a rappelé, a dit, mais M. Ilunga, on avait parlé de ça avec toi. Toloba qui est le Konayo déjà, cette histoire sur Salakango avant, Enge da Abouete, Enge Bimanani, situation ôté, tu n'allais pas être aussi humilié comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire reconnaît que le Premier ministre céda. Donc, il a cédé et puis il est tombé. Donc, il tomba. Alors, Sikoyo, on se pose la question. La suite politique, il y a Ilukamba Ozalani. C'est qu'il faut reconnaître seulement. À moins que Fatih change de pensée. Mais celui qui a été déchu, défenestré, ça devient compliqué. Moutamodelwana, va passer sous fonction moi quelqu'un. Ce qui fait que M. Ilukamba Azongi na bureau d'études na Bango, la FCC, à vos travers, peut-être ils ne sont jamais dans la politique, jamais dans l'administration publique, jamais. Parce que ici, on va retenir que le Premier ministre a fait un bras de fer terrible dans le président de la République. Boyoka qui va proposer à la fois passé. Alors, l'opinion nationale et internationale se pose des questions de ce qu'il en reste encore de la RDC. Ça, c'était un manquement grave pour le président de la République.
un peu pour dire que bah tu as dit bande bazo kamba bibe mboka o bazo kamba ngolo lengeni. Quand on dit ndakura bino na bokamba ngolo lengeni, ça veut dire on ne reconnaît pas le leadership de votre père. Et si c'est une femme qui le dit, on croit beaucoup plus à la femme parce qu'elle a vécu avec un homme. Tant moi sur le binda quoi na ndakumo ya ya pas si na doka pas si elle pense à qui? Elle pense à qui? Elle fait allusion à son mari. Donc quand un premier ministre se plaint, eh bien, la communauté internationale prend la communauté internationale à témoin, ça veut dire que le Premier ministre a volontairement attaqué le président de la République. Alors, donc, si le Premier ministre a humilié le chef de l'État, dans niveau Wana, c'est encore devant ce même chef d'État, à Okinoroti, qui a démissionné, je me dis, il faudrait qu'on apprenne beaucoup de ce qui s'est passé dans ce pays. Ma conséquence est anime. Ce qui, le Premier ministre, a démissionné, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est qu'il va assurer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Mais pendant ce temps-là, le Premier ministre ne prendra aucune décision qui, finalement, qui met l'État en danger, quoi. Alors ça, la moitié. Même pas en danger. C'est-à-dire qu'il engage directement l'État, il ne peut pas le faire. Il va se limiter à prendre des mesures conservatoires, à assurer les affaires courantes. Alors, signer document, il y a action directe T, à co-représenter le président de la République, peut-être T, il n'y a pas de conseil des ministres, où il y a de toute façon, il y a bien un conseil des ministres T, et je ne vois pas le chef de l'État appeler, convoquer un conseil des ministres, le premier ministre Yulukamba. Peut-être un conseil des ministres pour un au revoir, pour un adieu, pour certains des adieux, parce que Zana Bato Moussoubana pour le gouvernement Oyo. Bah, on se retrouver sous le gouvernement Yassikate. Mais il y a d'autres aussi qui vont se retrouver dans le gouvernement Sikawana. Alors, c'est une très belle page d'histoire qui a été finalement écrite pour Nambo Kanabiso. Une très belle page d'histoire. Ben, elle est triste, mais elle est quand même belle parce que nos enfants et les enfants de nos enfants liront un jour qu'il y a eu un Premier ministre qui était tombé. Ce sera la première fois. Et là, le Premier ministre n'a pas su éviter cela. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a le bino lilo pour la Premier ministre Yulukamba. La première qui bino que dans la deuxième partie, nakoya uniquement kobete la bino masolo au Italie ba tweet, c'est-à-dire ba réaction, ba tout tellement ebeli lobby, n'entend un moko le temps que natangi moko na répondre, natangi moko na répondre site aussi les sango. La classe politique doit être renouvelée, je pense et je crois. Et c'est vrai que les gens m'ont posé aussi beaucoup de questions sur problématique qui est Assemblée nationale. Président Aponinani, le choix du président de la République est qu'il n'y ait pas M. Mbosso, selon l'information Otozanango. Il paraît que le chef de l'État a sépéli qui est dans la Mbosso, dans la présidence de l'Assemblée nationale. Ne comptez pas sur moi pour me dédire. Non. Je pense et je continue à croire que c'est une erreur stratégique. Je continue à croire que c'est une erreur stratégique de la part du président de la République. Yé Moutaponi, M. Mbosso, bon, je crois que le chef de l'État est assez éclairé, assez informé, je pense. Yé Moutaponi, ma calcul, naé, ou à Salaki. De toute façon, ce n'est pas une question d'homme. C'était des analyses qu'on était en train de faire, et moi, j'ai fait mes analyses à moi. Ne pensez pas, je ne suis pas du genre, Yé Moutaponi, qui est comme lobby, lobby n'a changé. Ce qui n'a pas été que nous avons recherche, je ferai des recherches. À l'époque de l'IAU, j'avais fait vraiment des recherches. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais, des doutes que j'avais, parce que je n'avais pas allégué, mais des doutes que j'avais sur sa paternité, sur ça, tout ça, étaient des doutes infondés. Quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que, oh non, c'était des doutes à ma bébé, donc j'avais raison de ne pas affirmer quoi que ce soit. Et donc, quand je suis rentré pour vous dire, effectivement, M. Liaou est le fils du feu par Marcel Liaou. Je suis resté tissico sans aucune contradiction et je suis en paix. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Au sujet de M. Mbosso, il ne s'agissait pas des erreurs. En tout cas, non. Pour M. Mbosso, on a la doute. J'affirme. On a affirmé sur base des analyses et des éléments. Mais la politique étant ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir autrement. Et ça, je vous propose de suivre ça dans la deuxième partie. Les premières minutes sont consacrées à la question de l'Assemblée nationale parce qu'il est l'ondé pour déposer ma candidature. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Bonjour, bienvenue. Eh bien, je vais vous lever. Je vais vous lever.
Balobi plus précisément la carte à Washington. Balobi maman mardi né. Maman mardi né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es un nyonso. Biloko yaye. Oh,